Salut tout le monde, c'est Nikos, comment ça va? Moi ça va très bien. Donc on se retrouve pour une vidéo où je vais montrer toutes mes astuces et ce que je fais pour avoir des crédits. Donc là on est sur mon compte secondaire, vous voyez j'ai 30 000 crédits. Quand j'ai créé ce compte, j'y avais mis 2 000 crédits. Et après j'ai acheté plein de joueurs en faisant des affaires sur ce compte et je les ai envoyés sur mon compte principal. Et maintenant je me suis fait 30 000 crédits en une semaine, en venant de temps en temps, pas tout le temps. Donc on se retrouve sur le site d'IE parce que sur la Xbox ce serait trop compliqué. Donc maintenant je vais vous montrer ce qu'on peut faire. D'abord pour faire des profits rapides et faciles mais pas vraiment très très gros. Surtout que maintenant c'est très utile pour le moment parce qu'il y a la totie qui est sortie donc il y a beaucoup de gaspillage des joueurs. Donc d'abord vous cherchez un dispositif. 450 prix média. Vous entendez sûrement ma souris parce que faut le cliquer beaucoup. Vous avez jusqu'à entre la 57e minute et la 59e. Excusez-moi. Il fait froid dehors. En plus, j'attrape un peu froid comme ça, j'ai un peu le nez bouché. Donc on va voir à combien on est. 46. En fait, vous allez chercher toutes les bonnes formations. Toutes les bonnes formations qui commencent par 4 défenseurs ou 3-5-2. Et voilà, on est à la 57e. On va regarder s'il y a une bonne formation. Vous faites ça jusqu'à 1 heure. Enfin, vous faites pas ça pendant 1 heure, mais jusqu'à ce qu'il est en restant 1 heure. Voilà, 4-3-1. Non, ouais, voilà. On va essayer. Vaut mieux éviter 4-3-1-2. C'est celle qui se vend le moins bien. Bon, s'il y a autre chose, c'est moi qui l'ai prise là. Ouais, c'est bon, j'ai perdu des crédits. Je pensais que quelqu'un l'avait prise avant que je termine. Donc, normalement, là, je tourne cette vidéo juste avant que la totie des attaquants sorte. Donc, il n'y aura sûrement pas beaucoup de cartes. Mais quand ça sortira, moi je serai sur l'occasion et je me ferai sûrement plein de crédits. Donc, là, il n'y a rien. On va réessayer. En mettant 500. Donc, vous voyez, là j'ai un peu du mal parce que c'est pas. La totie ne vient pas de sortir. Elle sort à 19 h, là il est 16 h 37. Quand elle sera sortie, il y aura plein de gâchis des joueurs. Ils mettront. Moi, j'ai une 4-1-2-1-2 à 500 crédits et une 4-3-3 à 200 crédits. Et après, je les ai revendus entre 1500 et 2500. Donc, c'est des énormes bénéfices super facilement. Faut juste savoir cliquer vite. Avec l'entraînement, vous irez vraiment très très vite, comme moi. Enfin, même si mon ordi lague un peu de temps en temps. Donc, après cette technique, je vais vous montrer une autre technique qui marche aussi pas mal. Maintenant, on est à la 57e. C'est mes 57e parce que moi avant, je faisais à partir de la 55e, mais le temps que. Ah bah, y a rien. Oh, je me suis fait avoir. Attendez, on va voir. 3, 4, 1, 2. Oh, bah, il n'y a rien pour le moment. Oh, c'est dommage. Bon, là, on peut voir qu'il n'y a rien. D'abord, je vais vous montrer l'autre technique. Et après, je ferai une coupure d'écran et je recommencerai à 19 h, 19 h 30 pour vous montrer cette technique. Donc, mon autre technique. C'est chercher un joueur or, mettre 150 prix média. Après, regarder les joueurs qui ont le mieux. Enfin, faut quand même un peu s'y connaître dans les prix. Dans une bonne formation. Oui, ça c'est une mauvaise formation. Il n'y a pas grand-chose. Toni Kroos, on peut voir si on peut l'avoir. Wiese. Ah, dans une bonne formation, on va essayer. Ouais, Rémi en 3-5-2, ça peut se vendre. Lewandowski, pas tellement. Pardon. Je viens de manger du Nutella, donc. Reus en 4-1-2, ça se vend. Peut-être Biabani. Ouais, 3-5-2, on peut toujours essayer. Parce que 96 de vitesse, c'est pas rien. Götze, bien sûr. Bien sûr, bien sûr.
Alors, Jesús Navas. Godzilla encore. Ah, ils ont plus que 5000, purée, les prix ont vraiment baissé. Je suis pas trop intéressé au prix dernièrement, puisque c'est surtout la technique que je viens de vous montrer là. C'est déjà 5 minutes que de vidéo, ça passe vite. Ah, Sanchez en 4-3-3, ça peut se vendre. Farfan, 92, ouais. Donc j'ai remarqué que je me suis encore. J'ai encore fail dans ma dernière vidéo, j'ai encore mis le son trop bas, enfin je m'étais un peu précipité parce que je vais aller à une activité, parce que moi j'ai quand même une vie. Donc j'ai vite mis la vidéo en ligne, enfin j'ai mis l'upload sans vraiment faire attention, sans avoir vérifié la dernière vidéo, là celle du pack opening. Donc j'ai sûrement fait quelques erreurs, donc je m'en excuse. Il n'y a pas grand-chose, hein. J'espère qu'il y aura beaucoup mieux quand la Totti sortira. Des attaquants, bien sûr. Allez. Donc je crois que c'est à peu près tout. On peut déjà essayer ça. Ah, Rémi 82. Et 4-4-1. Donc maintenant, vous voyez, j'ai quelques joueurs comme ça. Et je vais essayer. J'ai acheté cette technique en 150 prix média parce que ça me laisse le temps de voir les prix des joueurs, de vérifier. Par exemple, là on va chercher Kroos en 4-5-1. Alors ça m'énerve un peu de chercher Kroos parce qu'il y a Müller qui va un peu embêter, un peu interférer la recherche. Bundesliga, il est allemand bien sûr. Au Bayern. On efface ça et après on va voir si on peut l'avoir. 1500 peut-être, 2800, allez. On est fou. 1000. 1000. D'accord. D'accord. Son prix a vraiment baissé. Mon Dieu. Sérieux. Bon, bah alors on va abandonner Kroos. Tirer de la liste. Et après ces autres-là, ben, je vais voir si je peux faire des affaires. Avec, ça marche souvent, mais c'est fatigant. Je vous préviens qu'à force de cliquer tout ça, à retenir les prix des joueurs, à se battre dans les enchères, c'est fatigant de temps en temps. Et les profits sont pas tellement énormes. Sinon, il y a la technique de se focaliser sur un joueur. Par exemple, on va mettre Richards de Manchester City. On va essayer en 82. Il doit valoir 5000. À part si son prix a vraiment baissé. Ah voilà, 5000. 4800, 4900. Donc ils ont à 4900. Alors je vais voir si je peux l'avoir pour 4200. Et le vendre 4800 après. Donc voilà, on va enchérir. Là aussi. Ou sinon, vous pouvez chercher celui moins cher. Vous pouvez faire par formation ou simplement le moins cher du marché. Il doit être à 2000 le moins cher. Ouais, non, presque. Ah. Voilà, il est à 1800. Non, même pas. Donc, 1900. Et on va voir si on peut l'avoir pour 1200. Oups. Pas 12 000. Voilà, on peut surenchérir. Là, je vois que c'est des bonnes formations, donc ça peut se vendre. Là, c'est une mauvaise formation, donc on va pas forcément essayer. Donc, vous pouvez l'avoir pour de bons prix quand même, mauvaise formation, mais c'est beaucoup plus difficile de vendre après. Donc, voilà, je préfère prendre des formations à 4 défenseurs. Sinon, il y a une autre technique, rechercher les joueurs argent, défenseurs, 350. Et après, vous prenez tous les joueurs qui sont rapides. Tous les défenseurs qui sont rapides. Ah, lui, il a une. On va si on peut avoir pour 400. Aviné, 400 aussi, des points rapides. Lui, trop lent, même s'il a une bonne tête. Franklin, c'est l'un des seuls bons défenseurs droits de la MLS. Zaliukas, ouais, ça se vend. Puisque c'est un bon joueur de SPL. Ah, j'ai déjà booké 15 000 crédits. Ça passe vite. Lui, il a des stats assez complètes. Ouais, allez, on essaye.
Lui vaut rien. D'Ambrosio, non, t'as cru? Non, pas lui. Non, pas lui, parce que je sais qu'en D1 base, il y a bien meilleur que ça. Si vous voulez savoir de qui je parle, vous pouvez aller voir ma présentation d'équipe, comme ça je fais un peu ma pub en même temps. Et j'essaierai aussi d'envoyer cette vidéo, en parlant de pub, j'essaierai d'envoyer cette vidéo à une chaîne communautaire. Oula, il a été vendu, ah, dommage. Il peut se vendre en 4-3-2-1. Donc il est toujours là. Vous devez attendre une heure le temps qu'elle descende là. La carte vers les minutes. Là j'ai eu encore Franklin, c'est pas mal pour ce prix. Ah lui encore mieux, parce que je sais que c'est un bon défenseur central. Je l'ai souvent rencontré dans les équipes SPL. Bon, allez, si c'est pas autant, c'est à dire que ça sert à rien de citer. On va voir si on peut avoir 400 parce qu'il est quand même. Il joue en Atlas Liga, non, ouais. Il est quand même brésilien. Même s'il est pas très rapide, il est très complet. Et on va voir ce qu'on peut faire avec eux. Lui, il est. Oh, j'ai oublié de regarder le pays, c'est pas grave. 4-3-1-2. Je crois que c'est Lituanie, si je me trompe pas. Si c'est Lituanie. Oh. Oh, c'est Lituanie. Applaudissez votre maître. SPL. On efface. On va voir si on peut. 4000. Oh. Oh, le béni. Oh merde. Ça, ça calme. Ouais, 1400. Je peux te vendre. Je vais te vendre 1000. Donc, c'est quand même pas mal de bénéfices. Hein. C'est 4 fois le prix pour lequel je l'ai acheté. Oui, je connais pas son. Voilà, Bahia. Défenseur gauche brésilien. C'est une technique pas mal, mais même si. Soit vous faites des énormes profits, soit vous en faites pas du tout, en fait. Donc, ça passe ou ça casse. Alors c'est des risques à prendre. De toute façon c'est pas des énormes profits donc ça peut passer. Non. Il est en quelle formation déjà? 82 aussi. On va voir son prix général. 1400, 1500. Donc c'est le seul de cette formation donc je vais le vendre. J'essaie de le vendre 1200. Et non DD. Le DD, enfin pas joueur DD brésilien. 4-3-3. Il est américain. États-Unis. MLS. Et il est au LA Galaxy. Et ils ont 3000. Ouh, oh, les bénéfices. Là, on vient de me surenchérir. Qu'est-ce que je fais? Bon, c'est pas grave, je vais pas essayer parce que j'ai encore plein, j'ai encore des techniques à vous montrer donc il faut que j'économise mes crédits. Surtout qu'elle est pas mal chère cette technique. Elle est chère mais elle rapporte aussi énormément. Donc là, c'est un énorme profit. J'essaie de le vendre 2500. Donc il faut être un peu patient avec les joueurs argent parce qu'ils vendent un peu plus difficilement. Donc maintenant, mon autre technique c'est de prendre des joueurs connus. Moi par exemple j'utilise Podolski et vous cherchez dans une autre formation, enfin dans un autre poste. Par exemple Podolski en MC, ça se vend dans un tour de 14 000. On recherche, voilà, 14 000, 11 000, 13 000, 14 000. Oula, ça peut se vendre, je sais. On va voir si on peut déjà l'avoir. Merde. Joueur. Enchère rapide. On va essayer de le mettre à 14 500. Je mets 6 heures pour être sûr. On va voir s'il y en a un autre pour moins cher. On va essayer de mettre pour 10 000. Il y a 10 000 crédits. Ouais. On peut toujours essayer. Voilà. Et maintenant, vous pouvez faire ça avec plein de joueurs. Par exemple, qui d'autre? Ah bah justement, un Allemand aussi en Barclays. Marin. Vous pouvez essayer de le chercher en BU. Il n'y a que lui. Tiens, c'est bizarre. Normalement, il y a du monde.
pouvez essayer de chercher Taraps, par exemple. Ils sont très bien en BU parce que il est adoré par tout le monde, ce joueur. Tout le monde l'adore sur FIFA. On va essayer de voir pour 4 non 7500. 7500, 7500, 7500, 1500, 7500. Bon, pour 7500, moi j'ai 7000 crédits, donc je vais chercher pour 7000. Donc il n'y en a qu'un. On va jouer à la liste. Donc voilà, c'est à peu près la technique que j'utilise. Je vais m'occuper de ces joueurs plus tard à la fin de la vidéo. Et sûrement vous montrer les profits que j'ai fait avec. Donc Limno 4-3-1-2, défenseur gauche brésilien. Donc cette vidéo sera longue. Je sais que certains m'ont dit qu'ils voulaient des vidéos courtes, un peu plus courtes, donc j'ai essayé. Mais là, c'est un peu une vidéo longue puisque ça prend du temps de vous montrer mes techniques et tout ça. Voilà, il est argent bien sûr. 9-7000. Et il se vend 700, voilà. Parce que comme je vous ai dit, ça passe ou ça casse. Et là, c'est pas terrible. 200 de bénéfices. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve pour la prochaine partie. Re tout le monde, on se retrouve pour la suite de ma vidéo. Donc maintenant je reviens 2 heures plus tard. On peut voir que j'ai réussi à vendre 2000 crédits ce joueur. J'ai réussi à vendre cette carte. Je l'ai acheté genre 400, 350 crédits, 400, je me rappelle plus. Je l'ai vendu 650. Je vais encore vendre Podolski, lui et lui. On va le mettre à 950. Donc vous pouvez voir, j'ai fait beaucoup de profit, surtout que j'avais 30 000. Bon, vous voyez, la technique que je vous ai montrée, je ne l'ai pas utilisée parce que j'avais pas le temps. Donc, on pouvait voir ma technique a bien marché. Si j'arrive à vendre ces 3 joueurs-là, je ferai des gros profits. Je ferai plus ou moins 10 000 de profits. Donc, voilà, c'est pas vraiment pas mal. Maintenant, je vous montre la technique qui a pas marché avant. Parce que c'est comme ça. Parce qu'il n'y avait aucune. Bonne affaire. Désolé, je suis un peu distrait parce que je pense à plein de choses en ce moment. On va continuer à appuyer, appuyer, appuyer. Donc j'ai remarqué que vous entendez pas trop quand j'appuie sur la souris, donc c'est bien. Donc quand je vous avais dit à l'instant, pour vous à l'instant, mais moi c'était il y a 3 heures, que je faisais du bruit avec ma souris, mais en fait vous entendez pas trop. Donc maintenant, comme la Toti vient de sortir, là il est 20 heures, elle est sortie il y a 1 heure, ben, il y a énormément de consommables sur le marché, donc va falloir beaucoup appuyer. On est à 23 minutes. Donc moi j'aime beaucoup ces techniques parce que on est tranquille comme ça, il suffit d'appuyer. Faut pas vraiment faire des énormes calculs dans la tête. Dès que tu vois une bonne formation, tu regardes le prix et après voilà, c'est bon. Donc je suis sûr que là ça va bien marcher parce que je viens d'essayer avec mon compte principal. Et j'ai fait pas mal de bénéfices. J'ai trouvé pas mal de cartes et j'ai trouvé des cartes 3-5-2 à 200 crédits. Donc je trouve que c'est pas mal. Ça fait de bons profits rapidement. Je suis sûr que beaucoup de monde dépensait tous leurs crédits pour ouvrir des packs. Donc cette technique, c'est bien pour commencer à se faire une petite fortune à partir de quasiment rien. Oula, 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 oula. Oula, oula, oula. 4, 5, 1. Ça peut se vendre. Ça se vend 750. On va continuer à passer. Donc vous avez pu voir, juste avant ça a pris 60 pages, maintenant ça prend 170, 175, 180. Voilà, on va commencer à partir de la 55e. Tout le monde, ça marche bien pendant quand la Toti vient de sortir parce que tout le monde ouvre des packs. Donc personne ne fait vraiment attention aux enchères, donc ça vous permet de faire de bonnes affaires, puisque tout le monde est occupé par les packs. Et en plus, il y a beaucoup de gens qui gaspillent parce qu'ils veulent que ça se vende vite, vite,
pour avoir de la place dans leur pile d'échange. Donc pour moi ça m'arrange. Ah, 4-4. Oh, regardez, 200. Ah, il est déjà parti. Faut être rapide. C'est pas grave, j'aurai plein d'occasions là. C'est seulement la 56e minute. Allez. On va quand même passer encore quelques pages, voilà. 350. On va se dépêcher. Non, 600. 500, c'est trop. Ouais, 500, c'est un peu trop. On va mettre 550 prix de départ et 700 prix d'achat immédiat. Bon, de toute façon, ils viennent de partir. Quelques deux, non, je préfère pas. 4, 3, 1, 2, 500, non, j'ai. Donc, je cite, j'ai une technique, c'est que j'ai acheté plein de cartes fitness à 1200 crédits, là, c'est le prix pour quel il vaut. J'en ai acheté 20 de cartes forme pour toute l'équipe. Et après, quand les prix seront de nouveau à 2000, 2200, je revends à 2000, donc je pourrais faire 800 de bénéfices pour chaque carte, donc c'est pas mal. Vous pouvez aussi faire ça maintenant. C'est comme au début de FIFA. Ibrahimovic, par exemple, hein, c'est un exemple. Il coûtait. Oui, on va le prendre celui-là. Il coûtait 200 crédits, 200 000 crédits. Et je me suis dit, oh, c'est énorme, je vais attendre que les prix baissent. Et au fil du temps, il a commencé à monter pour atteindre 600 000 crédits. Donc je me suis dit, oh, j'aurais peut-être dû l'acheter tout de suite pour le revendre encore plus cher après. Mais maintenant, heureusement, son prix baisse, donc je vais pouvoir l'acheter. Peut-être faire une équipe hybride avec, que je vous présenterai. Oh, dommage. Donc. Voilà, je viens d'atteindre le bout. Et maintenant, je vais recommencer. Et non, vous faites ça en boucle, vous faites ça en boucle et tout ça jusqu'à. Ah, j'ai seulement eu 3. Normalement, j'en chope genre 10, 15 par raf, on va dire. Et ça porte énormément. Donc, j'espère que cette émission vous aura plu. Et salut, j'espère que. Ah, qu'est-ce que je raconte? Pardon, est-ce que je viens d'avoir. Là, vous voyez pas, mais je viens d'avoir une notif Facebook, alors ça m'a un peu distrait. J'espère que vous passerez un bon week-end, parce que là, il est vendredi. Portez-vous bien, et salut tout le monde.